donc moi je l'ai fait travailler par ce groupe. J'essaie d'imaginer. Ça fait enregistre cette vidéo. Si ça s'arrête, tu verras après. D'accord. Une distinction poétique de l'Égypte aujourd'hui, 2013. Il s'intitule « Partition de ta vie ». Et le poème est « Paix ». Dans le désordre du monde, les hommes piétinent ton nom. Avec des éclats de bombes, des murs de haine et des prisons immonde. Où es-tu, mon ange? Moi qui te rêvais, colombe blanche, je ne vois que des tombes étranges. Jamais résignée, juste désarmée, je ne peux que prier, psalmodiant ton nom. Paix, pax, peace, assalam, shalom. Paix, pax, peace, assalam, shalom. Dans le désordre de mes nuits, lorsque j'espère un peu de répit, parfois l'ombre de ton ombre surgit. Puis soudain, j'aperçois ton survol, tel un oiseau effrayé qui fuit. Après la confusion des émotions, les pensées se diluent dans l'absence, les mots se réfugient dans le silence. Tristes, les pères et les mères pleurent leurs enfants, morts pour leur liberté. Comment te retrouvais-je, paix? Sache que je ne crois plus ni au traité, ni au pourparler. J'attends qu'on m'assure que demain, le guerrier déposera les armes, traitera autrui avec respect et équité, afin que l'humanité retrouve sa dignité. Où es-tu, paix? Où es-tu? Qu'es-tu devenu? Illusion d'esprit ou simple poussière d'étoiles? Tant de divergences t'ont dissipé, tant de conflits t'ont détruite. Mais impatiente aujourd'hui, moi, il me hâte de te voir rétabli, afin que ta lumière guide nos vies dans ce monde de désordre et d'oubli. Je ne peux que prier, psalmodiant ton nom. Paix, pax, peace, assalam, shalom. Paix, pax, peace, assalam, shalom.
bonsoir à tous. Donc je suis Zora, j'ai rencontré cette association un jour en passant devant et j'ai lu Institut Nénuphar. Je me suis dit c'est joli comme nom. Et je suis rentrée et c'était le tout début de votre installation. J'ai fait la connaissance de votre présidente, j'ai fait la connaissance ensuite de Fatima et j'ai souhaité vraiment soutenir l'initiative parce que dans mon quotidien de militante, j'ai à cœur que les personnes se rencontrent et fassent du lien, soient solidaires dans leur quotidien. Je félicite tout le travail d'Emmaüs Coup de Main sur la ville, toute l'énergie des autres associations aussi qui sur la ville vraiment font de Pantin progressivement une ville un peu plus solidaire. Et j'encourage toutes les initiatives et notamment celle de l'Institut Nénuphar qui a besoin d'être soutenu. Alors venez participer aux ateliers. Il y a un foisonnement d'activités et vous serez toujours les bienvenus. Continuez aussi dans votre quotidien à être solidaire. Et dans le quotidien, être solidaire, c'est simplement, parfois, ça peut commencer par un bonjour avec ses voisins. Et c'est peut-être un début de solidarité. Et en tout cas, j'ai été très très heureuse de vous saluer tous, un par un, quand je suis arrivée. Et bonne route à chacun. Et bonne route à Amélie. Merci. Léocadie, peut-être un dernier mot Un dernier mot Vous ne trouvez pas que j'en ai trop dit, là? Non. Jamais assez. Bon, je suis en train de prendre le pied dans le... Je vais m'étaler, pour ne pas parler. On a vraiment envie de faire avec vous ce travail autour des représentations culturelles et des images que nous envoyons les uns aux autres et qui, normalement, doivent être porteuses plutôt de richesse. On a envie de faire ça ensemble. Et ce séminaire, c'est pas nous, c'est vous et nous qui allons le faire. Et j'avais envie de dire quelque chose aussi par rapport à ça, c'est que c'est au cours de ces séminaires que nous avons aussi l'occasion de proposer à d'autres personnes de nous rejoindre. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué tout à l'heure, quand il était question de traduire le roumain, il y a une psychologue qui s'est levée. Et puis il y a Marc qui a inventé aussi sa façon d'être dans la transculturalité en faisant en sorte que les jeunes puissent parfois dire ce qu'ils avaient envie de faire. Ce n'était pas lui, ce n'était pas son idée. C'était l'idée des autres, des enfants. Et nous a permis d'avoir accès à ça. Voilà. Tout ça, c'est ensemble qu'on va le faire. Ce n'est pas nous d'un côté et vous en face. C'est nous tous. C'est cette rencontre-là qu'on a envie de partager avec vous. Et en tout cas, on est au début de la route. Hein, et puis, Nénuphar, merci. Hein, c'est ce qu'on disait, tout le monde l'a dit. Je crois qu'il n'y a pas de route pour dire merci en fin de compte. Et en fait, on va arrêter de lui dire, on va surtout continuer à travailler ensemble pour prouver qu'on est heureux d'être ensemble. All alone.
on the phone. We got good things. Got the magic. We're together. Whenever, whatever, wherever. It's just love, love. Every day is a holiday. My baby ain't here with me. Summer breeze, and I love her. Vendez-moi ma chaussure. Allez, bonne soirée. Après une hésitation, on me décide par la force de dire quelque chose. Franchement, j'ai hésité avant de venir, mais là, je me retrouve très bien. Je vois des gens souriants et qui sont contents d'être ensemble. Et je sens un petit peu que briser la solitude n'est pas un objectif. J'allais dire solitaire, mais c'est vraiment collectif. Alors, je vous remercie d'être là. Et je suis très content et je ne regrette rien. Je suis vraiment bien d'être là. Merci beaucoup. Longue vie et merci de m'avoir accueilli. Cinquième, on peut se dire que c'est la partie de son voyage. Vous voyez, la prière de la